La République du Congo affiche la belle ambition de créer un environnement propice à l'innovation technologique en milieu juvénile. Cet engagement se renouvelle ce 19 novembre avec le lancement à Brazzaville de la 6e édition du prix de l'innovation numérique associé au programme Seed for the Future de la société Huawei en partenariat avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Ce challenge qui permet aux jeunes sans distinction aucune de mettre en lumière leurs talents et l'esprit créatif tout en proposant des solutions innovantes dérivées du digital. Bien avant de lancer les hostilités, 15 jeunes triés, après un appel à candidature, vont se faire former sur diverses dossiers afin de mieux structurer leur projet. Pour saluer la sollicitude permanente de Huawei Technologies à l'égard des innovateurs, des start-upers, mais aussi à l'égard du gouvernement, dont elle soutient l'effort consistant à inciter les jeunes à investir le domaine de l'économie numérique, promis à un bel avenir. La loi numéro 71-2022 du 16 août 2022 portant attribution du label Startup du numérique et de l'innovation technologique récemment promulguée est l'illustration parfaite à laquelle le gouvernement entend accompagner, encourager les promoteurs des start-up en vue d'une réelle économie numérique dans notre pays. Arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, technologie de l'information et de la communication numérique, étant la vision du gouvernement de la République, la société Huawei s'illustre donc d'une manière ou d'une autre à la matérialiser. Cette édition en est bien un exemple palpable pour ce géant de la technologie mondiale, en ce sens qu'elle donne aux jeunes Congolais des formations de qualité dans divers domaines de la technologie. Cette 6e édition du programme Seed for the Future témoigne notre volonté manifeste à former les jeunes Congolais en les outillant sur les connaissances nécessaires en rapport avec les innovations actuelles et les technologies de pointe de l'industrie du pays. Comme la précédente, cette édition est accompagnée par la pépinière d'entreprise Kosala, un incubateur qui accueille, héberge et accompagne les jeunes entreprises. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui à Kosala, qui aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement, notamment le ministère en charge de l'économie numérique, devient la maison des entrepreneurs, une structure de référence qui vous donne la chance de créer vos entreprises, qui vous donne la chance de vivre votre rêve d'entrepreneur. Au moins aujourd'hui, vous avez la chance que Kosala existe. Nous, hier, il n'y avait pas Kosala pour nous accompagner. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à Kosala. Sentez-vous à l'aise. Après ce programme, nous l'avons promis à M. le ministre, avec le FIGA, nous allons vous accompagner pour concrétiser vos projets. La 6e édition du prix de l'innovation numérique associé au programme Seed for the Future de la société Huawei est couplée à la 4e édition du prix Denis Sassou Nguesso de l'innovation numérique.